J'ai écrit dans la fièvre d'une promesse, du désir immense de redonner au pays de la gare de l'Est sa beauté, son caractère unique, en ses visages aussi divers qu'ondoyants. J'ai marché auprès de ces communautés remplies de cris et d'exil. Un exil, une solitude semblable au mien, et pourtant si différent. J'ai senti l'urgence, la détresse, la lente montée de l'irréparable. J'émerge d'une transe qui aura duré jour et nuit. Le fil conducteur de ce carnet tient aussi à une forme de recouvrance à travers l'âme du 10e arrondissement. Comme si le lieu, le moment et l'heure m'avaient invité à un rendez-vous avec la vie. Avec la vie d'avant la vie. Le nœud du carnet constitue cette déambulation circulaire autour du quai de Valmy et du quai de Jemmapes. Je n'ai jamais compté les 100 pas redessinés près du canal Saint-Martin jusqu'aux limites de Barbès. J'ai vu des enfants mendier, des femmes se jeter dans la rue pour une poignée de pièces dérisoires. Je suis entrée essentiellement dans une longue marche circulaire dans le jardin Villemain, mais aussi en moi-même, retissant le lien avec la recouvrance, la mémoire, réalité ultime de l'exil sous toutes ses formes. Peu à peu s'est constitué le texte. Ce récit, donc, je souhaite le partager avec vous, car c'est avec vous que l'histoire commence. L'ancien hôpital militaire, érigé en 1870 à l'intérieur des murs des Récollets, a accueilli des soldats blessés, des revenants que la guerre avait rendus morts-vivants. Ont-ils jamais été guéris de leurs blessures? On disait d'eux qu'ils étaient incurables. De quelle maladie souffraient-ils? Ont-ils déjà invoqué Dieu au pire moment de leur détresse? L'âme des militaires erre toujours entre ces murs, et parfois la nuit, j'entends l'une d'entre elles implorer la recouvrance. Je me demande alors chaque fois quelle est cette présence diffuse qui m'empêche de dormir. Il m'arrive ainsi étrangement de tendre la main à quelqu'un d'invisible pour le rassurer. Ma main balaie le vide, mais je sais qu'il y a quelqu'un. Longtemps j'observe les ombres danser contre les carreaux des fenêtres. Je sais que chaque porte ici ouvre sur une âme qui se cache derrière une autre, laquelle en abrite une autre. L'exil à l'infini se propage. Il s'agirait peut-être de la même personne, d'un seul esprit sans cesse démultiplié. Une âme qui hanterait les lieux depuis la première pierre posée au XVIIe siècle. D'ailleurs, la plupart des secrets ne sont-ils pas enfermés au creux des pierres? La force de l'invisible me ramène sans cesse à une solitude peuplée de malades et d'absents. Ma chambre plombe sur l'avenue de Verdun, là où se cachent les pigeons. Elle donne aussi sur la rue bruyante et les cris des plus démunis.
Le jardin Villemain est un lieu de refuge pour les personnes âgées, les adolescents, les familles, les chinoises qui dansent au son d'une musique aigre, les hommes et les femmes qui font du qigong, mais aussi les réfugiés afghans et les alcooliques. C'est plus qu'un square, c'est un home parfois bondé, souvent recueilli dans une forme d'isolement sectaire. Au levant, on aperçoit des silhouettes rectilignes traversant le jardin comme des ombres solitaires qu'une lumière diffuse pour chasse. On y voit parfois les vieux arrêtés sur un banc. Ils posent un regard lointain, quasi indifférent, sur les fleurs épanouies, les choses ou les gens. Ils s'essoufflent parfois à vouloir rattraper les enfants dans l'air de jeu. Les enfants, ceux d'aujourd'hui qui se livrent à la spontanéité du jeu, toute communauté confondue, mais aussi ceux d'hier qu'on est venu chercher pour les amener dans les camps de la mort, en Allemagne. Certains d'entre eux, à peine âgés de 15 jours. Le parc était alors ouvert à tous les Français, mais interdit aux Juifs et aux chiens. L'exil reste cette grande question communautaire que le siècle a reniée. Où s'en est allée l'âme de ces gens qui ont survécu? L'âme démultipliée du monde en exil dont on témoigne si peu. Lorsqu'on pénètre dans le jardin, par la petite rue qu'on appelle le passage des Récollets, on entend indistinctement les murmures, parfois les cris de langues amalgamées. On y parle le français, l'allemand, le turc, le chinois ou le portugais, mais aussi d'autres langues inconnues qu'on récite comme des chansons oubliées. C'est sans compter les rares tziganes qui viennent hanter les lieux et jouer de la musique. Le matin, une communauté chinoise fait du tai chi dans une cour intérieure. À l'occasion, il m'arrive de suivre l'harmonie des gestes dictés par une lenteur ancestrale que seule l'Asie sait habiter. Survient toujours ce moment où je ne sais plus suivre cette harmonie. Je reste depuis trop longtemps à côté des traditions, comme si on m'avait jeté en dehors d'une cage ou d'un serment. L'exil n'est pas seulement extérieur, il est aussi une longue route en soi. Les arbustes du jardin poussent comme de vieux souvenirs que les époques ont malmenés. Le romarin embaume et la lavande attire les abeilles. J'observe une femme assise en lotus, vêtue de noir, immobile comme une statue. Au bout d'un moment, elle cesse de méditer, remet ses chaussures. Elle quitte les lieux, auréolée de souplesse. L'âme du monde traverse ce parc du 10e arrondissement de Paris.
Les Récollets se situent entre la gare de l'Est et l'église Saint-Laurent. L'ordre franciscain, au XVIIe siècle, avait autorisé les frères mineurs de l'étroite observance de Saint-François à venir s'y installer à l'époque de la Réforme. La première pierre du couvent fut posée au tout début du XVIIe siècle. Une bibliothèque imposante fut constituée au fil des ans. Qu'est-il advenu de tous ces livres ? Dans une salle des Récollets, on trouve d'énormes bouquins de médecine dont les pages ont été soigneusement repliées. Il s'agit d'une façon artistique ou habile de donner vie à une œuvre moderne, différente, un ouvrage où les mots apparaissent désormais comme des dentelles illisibles. Le couvent a d'abord été un hospice pour les incurables. On lui a ensuite attribué une fonction parallèle et c'est devenu un hôpital pour les soldats. Le soir, j'entends monter les rumeurs de la ville qui jamais ne s'apaisent. Il y a aussi d'autres murmures, plus diffus ceux-là que les rumeurs, des demandes silencieuses et pesantes. Elles viennent de ces inconnus qui ont traversé la guerre, des hommes que je côtoie dans un exil étrange et familier. Je me demande ce qu'il est advenu de l'âme de ces incurables, de ces soldats et de ces prisonniers. Comment ne pas sentir ce corps de souffrance qui traverse toujours aujourd'hui? Quelle est donc cette contrainte qui me ramène chaque fois dans un hospice pour incurables? Dans ce lieu où tant de souffrances muettes se sont éteintes, où des vies entières sont passées comme dans un rêve, à mi-chemin entre la conscience et la réalité, il reste un voile invisible, une lueur qui tente toujours de se frayer un passage à travers l'exercice de la nuit. Les étages du couvent recèlent autant de mystères que de résidents qui déambulent, créent, cherchent, oublient, désertent, se cadenassent, jouissent et s'écorchent derrière de lourdes portes. On y croise à l'occasion une femme de ménage africaine qui chante ou qui parle très fort dans son téléphone intelligent tandis qu'elle passe la balayeuse. Je suis recluse et je n'ai pas le sans-fil. Personne ne peut vraiment me rejoindre. J'ai le sentiment de traverser les époques, de plonger au cœur de l'histoire, de voyager entre les murs pour rejoindre la peau de l'indigène que j'ai été et que je suis encore. Je me revois au temps des Récollets, ses frères mineurs, les premiers à venir en Nouvelle-France.
observait-il vraiment les règles de Saint-François? Cette part indigène, cachée au fond de ma conscience, lutte pour survivre. Qu'est-il resté de moi et de mes ancêtres à l'époque de la colonisation? Un symbole? Quelques plumes arrachées à l'oiseau de feu qui volait très haut, au-dessus des rivières? Je l'ignore. Je sais seulement, par tous les pores de ma peau, qu'une âme indigène mène encore son combat pour la recouvrance de la mémoire, que l'exil en ses propres terres fait reculer les frontières, que ce combat devient évident ici, entre les murs des Récollets. Je n'ai pas de souvenance précise des colonies, ni de la foi timide qui de temps à autre allégeait les peines des Premières Nations. Mais il m'est souvent arrivé de réciter la prière de Saint François d'Assise. Qui peut comprendre que lorsqu'on libère l'inconsolable, c'est soi-même que l'on soulage. Aurais-je vu tant de détresse qu'il me serait devenu aujourd'hui impossible de le crier, de le chanter ou même de l'écrire? Dans un monde où le téléphone intelligent gouverne, je cherche une solution spirituelle. Et je me joins à d'autres à travers une quête de la recouvrance. C'est au docteur Carl Gustav Jung que fut donné le rôle d'évaluer la capacité d'une âme prisonnière d'un mal obscur à trouver la guérison. Il en est venu à dire que seule une solution spirituelle pouvait délivrer les malades de leur pulsion de mourir. Dans cet endroit séculaire protégé du monde et de sa violence, je pense être à l'abri de tout sauf de moi-même. Je suis rejointe par tous les autres qui ont souffert en silence avant moi, ceux que l'on nommait, que l'on nomme encore sans le dire, les incurables. Le ciel est devenu pour nous un espace universel vide, un beau souvenir de ce qui était jadis. Mais notre cœur brûle et une secrète inquiétude ronge les racines de notre être. Comme le dit Jung, le ciel se cache sans doute entre les griffes du monstre qu'est l'inconscient. Grande mère liquéfiée de la foule que je traverse ici, je me suis mêlée aux autres comme une fragile nacelle accordée à la bienveillance des dieux. Je suis éclairée par une lampe précaire qui scrute la pénombre en marge de l'écriture. Je me dépose au sein de cette lumière qui éclaire mes pas sur le parcours du dixième, tandis que j'aperçois tous ces visages tournés en eux-mêmes, s'adressant au ciel. Toute la place Raoul Folleroux est divisée par segments, certains beaucoup plus fleuris que d'autres, exactement comme on en retrouve dans les terres du Québec, sur les peaux zébrées des grands champs. Ce carnet, il me faut bien l'admettre, est un acte de réflexion dans tous les sens du terme. Le processus implique ce repli vers l'arrière, c'est-à-dire cet acte qui consiste à revenir vers soi. Il faudrait simplement aller dans la pause, s'y engager pleinement, à travers une forme de consentement ou de lâcher prise. Terme à la mode, s'il en est un. Amorcer ainsi une longue marche, emportant ces images enchevêtrées comme dans un film. Cette prise de conscience me ramène loin en arrière, là où peut-être le combat de l'exil a véritablement commencé.